Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On se retrouve avec Broudaf et Chobiti. Salut tous les deux. Salut. Redis salut Chobiti. Salut, salut. Okay. Ah là, on l'a entendu, ouais. Chobiti la gothique. Chobiti la gothique, c'est ça. Bon, elle a un soleil quand même, ça fait moyennement gothique, mais. Ouais. Ah, une gothique débutante. Alors du coup il y a bientôt une attaque, mais je pense qu'on peut par exemple je vais aller chercher le plan qu'on a oublié sur le truc juste à côté là. Et puis je pense qu'on peut commencer à descendre, il y a des îles vers le bas où il y a un dragon là, en ligne plus ou moins en ligne droite. Ça me paraît pas trop mal comme idée. Ah oui, il reste plus qu'un seul dragon. Et je pense, Chobiti, que ça doit être un quelconque truc de détection de son de ton côté, parce qu'en fait on t'entend nickel quand personne d'autre parle. Et s'il y a Broudaf qui parle, on t'entend pas. De ma faute. Non non, je pense pas que c'est de ta faute Broudaf, je pense qu'il doit y avoir un Discord qui détecte quelque chose, ou je sais pas ce qu'il fout. Ah c'était le phare ça. Alors, où est le plan? Ah, il a le petit plan. On se calera après cet épisode là. Voilà. Putain, il y a plein de bouffe sur cette île. Dis-moi, Inou. Non, je suis en train de voir comment on y va à la Dragor le plus simple sans claquer les, une tonne de. D'égide. Ah, bah normalement on doit pouvoir rebondir d'île en île. Je peux regarder s'il y avait des camions. Ouais, il y a des camions sur les îles, donc on va faire des chemins. Après, est-ce qu'on est réellement... Est-ce qu'on a réellement besoin de beaucoup de ressources actuellement? Des circuits électriques, c'est toujours utile, on en a que 100. Si on commence à faire des trucs un peu avancés, ça peut vite se sentir. Alors, des scrutellaires, des roseaux... Tu vois, je pensais relier à partir de cette île-là, là où je suis. Pour descendre. Putain, quel con! Ah, t'es tombé dans le... Non, mais j'ai oublié de me faire des égides. On rappelle que Chobiti a déjà fait une île au jeu. Hein. Alors, où est-ce que t'es? T'étais dans le coin? Non, t'as ressuscité au camp? Bon, oui, j'ai ressuscité. D'accord. Du coup, ouais, on pourrait par exemple. C'est trop loin ça. C'est trop. Rebondir de là. C'est le prix qui me charge là. C'est bon, on a raté. Tac. Il y avait un sac là sur le rocher avec une arme à ta droite. Tac, attends, je fais le derrière toi. Je le relis, le petit machin. Derrière moi, à ma droite. À ma non, droite, non, à ta gauche là, voilà. Sur le petit rocher derrière les voitures là. Ah oui. Un ski épique. Eh bien, pourquoi pas. Alors du coup, par contre, là, on est un petit peu dans le mal, niveau vision. Est-ce que je pourrais pas plutôt en poser un, genre par là, par exemple, c'est trop loin. Hein. Ouais, c'est trop loin, dommage. Tant pis, on va voir. Refaire un rebond, c'est pas grave. Hop! Et là, on peut aller vers l'île suivante. Il nous reste 3 minutes, mais on peut peut-être commencer au moins. Vous avez lu la page? Ah, ouais, ah, oui, on l'a lu, j'ai lu tout à l'heure celle-là. Ouais. Oui, je l'ai.
Je l'ai reconnu en la lisant. On va aller où là? Ouais, je peux peut-être même jusque... aller jusque là. Ah non. La consommation est pas dingue là. Je vais m'arrêter sur celui-là. Mais bon, après, c'est pas comme si ça coûtait hyper cher non plus, hein. Non mais, et ça suffit, oui. Ah, j'aime bien les armes à une main, c'est tellement rapide. Il est assez proche. Yep. Cool. Il y a un sac de sport ici. Je voulais taper l'arbre et que j'ai pris un petit peu trop d'élan, du coup j'ai aussi un peu tapé le vide. Ah. Ok, l'autre camion est là. Je peux pas remonter, faire le tour. Diantre. Quelque chose me dit que je vais pouvoir choper que dalle d'ici. Bon, après ça pour le coup c'est du bois, on s'en fout un peu. Ah, quoique si on veut rebondir par ici, ça peut être pas mal quand même. Je vais quand même le relier, ça fera un repère. Camion-ci que tu veux? Ouais, ce camion-ci là, mais il est loin de l'autre. Ouais, il est un peu mal placé. Si je pose ça là, ça doit être, ça doit être bon. Ouais. Hop. Et du coup, on peut avancer vers l'île d'après. Bon, après, il nous reste une minute, mais... peut-être rentrer ou alors on leur fait confiance pour gérer. On peut rentrer, hein. Bon, on a ce qu'il faut pour rentrer, alors rentrons. Donc t'as dit si on touche rien, on retourne. Normalement, à la zone. Ouais. On va vérifier, mais il me semble que j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Bah du coup, non, là, il m'a pris le mauvais chemin. Non, non, bah non, mais donc du coup, je sais pas trop sur quoi il se base, soit alors sur les angles. Bizarre. Du coup, on te remercie pas du tout, en fait. Bah, vous m'aviez déjà pas remercié, donc... on attendait de vérifier. Je me sens pas trop... Allez, un petit peu de graines, zut, je n'ai pas. T'es parti pour mettre des graines, Broudaf, comme t'es là. Oh, les anciens, ils sont tellement grands, ils font des cordes à sauter. Tu veux que je mette des graines, c'est ça? Il en faut un petit peu, ouais. En général, je sais que quand tu cours dans le dépôt en arrivant, c'est que tu. C'est que tu. Là, vas je vais te déposer. Mais je vais les remettre, y'a pas de soucis. Allez les gars, au poste de combat. Ouais, il en manquait une de graine. Ah bah c'est que Chobiti en a mis. Alors là par exemple, t'as pas entendu rire, Chobiti. On a entendu un gros fou.
Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Oh, un exécuteur. Ouais, il va... Si vous vous approchez pas, ça va être plus facile. Hein. Il va se faire défoncer par les dragons. Ici, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est même plus le boss de fin, l'exécuteur. Non, ils viennent régulièrement pendant les attaques. Voilà, ils se font défoncer. Bientôt ils vont gérer tout seul hein. Faudrait juste un petit peu plus de ce côté là, il est un peu tout seul lui. Ils sont où les trois qui manquent là? Bah il y a un loup qui est dans les terres. Ah voilà. Ah, t'es pas là, il va se barrer dans les terres. Bah oui, voilà. Du coup, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait un cadeau tout à l'heure sur une des balistes là. Bon, il est parti. Bon bah, peut-être qu'il est pas content de qu'on s'est battu pour lui, il n'y a plus de cadeau. Tant pis. Il reste des balles de tromblon, oui. Alors du coup, si on voulait repartir, c'était par là, je crois. Absolument pas, c'est l'autre sens. Si vous aussi vous vous demandez ce que fait Chopiti, nous sommes deux. Je récupère les coffres qui sont dans les terres. T'as pas besoin d'être 12 millions. Effectivement, je me disais, t'étais au plein milieu de nulle part là, mais c'est vrai que j'avais oublié cette tendance au coffre. Tu lis de Bourdaf? Ouais. Go, c'est parti. Aoubi, sympa comme nom. Oh putain, 24, ça va être flou. Pousser dans les terres, ce petit con. Oh, il a laissé un truc. On fera 100. Il y a une note. Ah, il y a un plan là-bas.
Alors, expérience, message de Sarah Howe. Je sais qu'il existe un moyen d'aider mes nouveaux amis. Les exécuteurs sont en origine de leur affaiblissement et je ne laisserai pas l'emporter. J'ai tenté de couper, de peler, de moudre les gemmes en vain. La réponse ne doit pas être compliquée, mais malgré mes recherches, je ne la trouve pas. Je suis las de voir le mal l'emporter, tandis que tout ce que le monde a de bon se meurt. Ah, elle commence à fatiguer la pauvre. Lostigne ? Oui ? Avoir besoin de ta super capacité à récupérer les plans inaccessibles. Je prends ça comme un compliment. T'es sur notre île ou t'es ailleurs ? Bah tu me vois, je suis à 50 mètres de toi. Même que t'es en train de te battre contre un croqueur. Bah oui, excuse-moi, il y avait des loups qui se réveillaient. Des plans inaccessibles. Trouver la dragueur. % d'évitement, putain, on aura vraiment jamais de buff de combat, hein. Bon après ça reste pas mal. Ah. Et une note aussi sur le caillou là. Oh. J'ai accepté mon destin, je ne reverrai jamais mon foyer. Bien des saisons ont passé, je dois à présent aller de l'avant et m'enfoncer plus profondément dans ce monde. Les exécuteurs ravagent cet endroit magnifique, j'utiliserai toutes mes compétences pour le défendre. Ils ne sont pas loin. Par contre, je suis désolé pour les viewers, mais on se redonne. Je suis caché derrière un arbre, quoi. Pendant que je discute avec la dragueur. Ah. C'est impossible de bouger la caméra. Un dragon est mort ? Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est celle que j'ai eue ? Attends. Ah mais tu l'as fait tellement grandir qu'il est mort ? Ah non, c'est qu'il y avait un petit bonhomme à côté. Non, tu l'as fait tellement grandir qu'il est mort et il y en a un nouveau qui est apparu devant moi. Ah ouais, ouais. Tu l'as fait monter à Seigneur et tu l'as fait monter plus que Seigneur. Non, mais il y avait un petit monstre à côté qui devait taper. Oh. J'ai pas fait gaffe au petit monstre. Vu que je voyais rien parce que j'étais bloqué derrière l'arbre. Hashtag tristesse. Bah du coup j'en ai un autre qui est apparu devant là. Bah. 5% d'efficacité des améliorations de divertissement. Mais c'est pour ça, faut les laisser rentrer les dragons. Hein. On peut les faire grandir au camp, c'est pas un problème. Hein. Ouais. Alors je peux... Tu veux que je... Putain, il va pas se faire tomber ce putain de truc là. T'as un petit endroit sympa pour sa tombe ? Bah je sais pas, tu peux la poser dans le camp ou pas ? Le problème c'est que là... Il est mort là, quoi. J'ai le truc de placement sur cette île là, ouais. Alors, je suis pas sûr que ça se voit. À côté de l'eau là. Voilà, il aura une belle vue sur l'eau. Oui, j'ai vu placer la pierre tombale. Hein. Move Umips Gravestone. Ah oui, c'est gentil la pierre tombale, quoi. Bon bah, un rip le dragon, du coup. Ah, il y a le... Ouais. On est un peu désolé. Ouais, j'ai pas percuté, en fait. Je pensais qu'il prenait 30% de santé parce qu'il avait progressé à la supérieure. En fait, non, c'est le petit monstre qui tapait dessus. Ah, je te dis, les mouvements de caméra quand tu te retrouves dans, ouais, quand t'es dans un arbre, ouais, les clippings un peu à la con, je suis d'accord, c'est pas toujours hyper précis. Ouais. Je crois qu'il y a un beau viandant de la PS1. Il y a même pas de succès, ne perdre aucun dragon, donc de toute façon. Du coup, si je pose un truc. Ah, y'a un coffre là-bas ? Trop loin. Ah non, c'est le camion. Hop. Et hop, voilà. On est bon. Et du coup, bah après, on peut avancer la quête si on le souhaite. Ouais, du coup, c'est bon, on a tous les dragons. Ouais. Normalement, ouais. Et la quête, elle est où ? Bah, cela dit, elle est plus ou moins par là-bas, là. Ouais, en fait, faut qu'on continue d'avancer dans cette direction-là. Bon, bah, on continue d'avancer dans cette direction-là, alors.
j'ai envie de dire. En avant! Oula, ça va être badass ici, je le sens. 27 d'invasion. Allez, un petit feu. Il faut 4 flèches maintenant pour buter un de ces cons là. Encore avec ton arc bleu? Ouais. Ça devient un petit peu juste. Je crois que je dois vous voir deux tromblons dorés. Merde, c'est Dario. Bon, t'es suivi. C'est déjà arrêté mon feu de Saint-Elme, dommage. Il y a un plan sur le toit de la maison. Et ben, il faut monter sur le toit de la maison. Ouais. Il y a des gens qui ont mis des caddies aussi, donc. Là. Tout au bout pour avoir un bon angle. Là ça passe et là ça passe. On peut récupérer les petits trucs des plantes qui ont été bouffés par le feu. Ah ouais, il y en avait une autre juste là. Vraiment, mais il a merdouillé ce feu de Saint-Elme. Bah ça dépend dans quel sens il part en fait. Tiens, une grotte. Grotte? Ouais, une grotte. Bon, qui sert pas à grand chose, mais. Une grotte quand même. T'as réussi à sauter sur le toit de la maison? Non, non, non. Tu as besoin de ma capacité à rejoindre des lieux inaccessibles, c'est ça? Oui. Je suis pas sûr que ça va le faire si je fais ça. Oh, large. Ça le fait large. On a 5 plans encore, hein, et on pourra débloquer les carrés de citrouille. Ok, là il est trop loin. Oh, peut-être pas. Oh la vache. Une vache. Le truc qui est trop loin à 2 mètres près quoi. Ah merde. Hop, hop. Donc ensuite. Quête est par là toujours? Ouais, toujours. Elles sont où les. Ouais, il reste deux racines qui se cachent là. Ah, j'en ai trouvé une. Pas une petite à côté? Si, si, un peu plus loin. Nickel. Bien joué. Parfait. Bon bah les trois camions sont reliés, il n'y a plus qu'à rejoignons Chobiti pour une fois aller sur la plage. Coucou. Coucou. Tu lis le brodaf? Oui, mais tu veux aller par où? J'ai mis le marqueur là. Ah d'accord. On va peut-être se rapprocher plus. Ça me paraît bien là. Pas mal. Ah, le machin qui pop juste au moment où on rentre dedans.
Bah voilà, niveau d'invasion 40. Bon. Ah ouais, c'est pire, on a de quoi s'occuper. C'est longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas eu de petits nids. Des nids de voraces. Ouais, de petits. Ici, il y a un plan. Le plan qui manquait. Le petit plan qui fait plaisir. On va pouvoir faire des carrés de citrouille, virer nos trucs de homard et commencer de l'eau. Là, il y a un sac sur une tombe. Sac sur une tombe. Ouais. Tu l'as cassé ? Enfin, je... coup, oui, oui, le sac, je l'ai cassé, ouais. Ah, voilà, il y a une arme sur une tombe, ouais. Une raquette de tennis. Bon, on fera 100. J'avais plus des trucs jaunes de toute façon. On a un truc de journal, ça doit être mort d'un dragon, non? C'est ça? Ouais, mort d'un dragon. Il y a un sac ici aussi sur ma position. Je viens de le péter, donc il doit y avoir des armes. Ouais, je suis blindé d'armes. Je vais quand même venir voir au cas où il y aurait genre un arc épique par chance. Non, un balai. Un balai quoi. Un balai épique. Ah, moi j'ai un levier de vitesse à boule de billard. C'est déjà plus classe qu'un balai. En effet. Hop, hop, hop. Bam, bim, bim. Chopiti est plus vite que sur mon bras. Grouille. Commence à y voir un petit peu plus clair, ça y est. Ça y est, on l'a purifié? Ouais, il n'y a plus, c'est fini. Il y a un sac dans la chapelle si vous voulez. Ouais. On a laissé des graines et des objets traîner. Bon, c'est pas hyper grave. Alors, qu'est-ce qu'on va virer? 399, 400. Il n'y a pas de camion sur cette île. Hein. Et la quête est presque là! Bah oui, c'était le but. J'arrive, on serait capable d'y retourner, d'y arriver avant la prochaine attaque. 5 notes sur la prochaine île. Hein. Tu lis de prêt? Oh là là. C'est parti! A gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Où est Charmy? Mais Rodef, il court pas droit là. Bah oui, je lui dis pas où il va! C'est vrai, c'est vrai. J'ai plus l'habitude de suivre en fait, c'est pour ça. On n'a pas de niveau d'invasion, donc c'est vraiment juste l'île de la quête. Ce que je propose, c'est qu'on arrête l'épisode ici, parce qu'il est suffisamment long, et dans le prochain, on fait la quête. Ça marche, à la porte de la caverne. Allez, merci à toutes et à tous, on se dit à très bientôt. Bye bye, bye, bye.